J'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau daily vlog. Trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le balcon. Le balcon c'est un carnage actuellement, il n'a pas été ouvert, ni nettoyé, ni rien. Enfin il a été laissé à l'abandon pendant que j'étais à l'Erasmus à Athènes, donc ça fait pendant 6 mois. Il y a les oiseaux qui ont tout bouffé, donc toutes les boules de graisse, ils ont chié partout. Donc il va falloir frotter sur le sol, il va falloir aussi refaire quelques petites plantations, réinstaller mon petit tapis, réinstaller le fauteuil. J'espère que vous êtes prêts, il est 10h du matin. Je suis en PLS parce que Mère Nature est là, donc je suis actuellement enceinte de 6 mois. Là mon ventre c'est une catastrophe, je ne vois plus mes pieds. Là en ce moment l'appartement c'est un carnage. C'est juste le bordel, je n'arrive pas à m'en sortir entre toutes les vidéos à monter, l'appartement à gérer, les cartons aussi qui s'entassent énormément. J'ai reçu aussi des colis, donc j'ai plein de cartons, donc là j'en ai mis un déjà aux encombrants, mais j'en ai encore deux petits. Enfin j'ai plein de choses à mettre à la poubelle aujourd'hui. Ça va faire un énorme vide, ça va être cool aujourd'hui, on va essayer de se motiver un petit peu. J'espère que vous aussi ça va vous motiver de me voir ranger et nettoyer. Faites pas gaffe à mes cheveux, j'ai mis de l'huile. Surtout sur mes racines pour les régénérer, et je pense que je vais me faire une queue de cheval parce que là c'est trop long. J'aime bien la longueur, je sais pas vous, mais j'aime bien. Je vais peut-être un peu couper. 10h43, on est bon, on est chaud. Je vous montre les dégâts. Allez, déjà il va falloir bouger la table. J'ai bu mon cappuccino dans ces sublimes tasses qui viennent de chez H&M Home. Oh, j'adore, je les trouve incroyables. Donc il va falloir bouger la table et ensuite on va s'attaquer. Ah ça quoi. Donc voilà. Oh il fait froid. Je pensais qu'il faisait un peu plus chaud que ça. Il fait super froid, il fait au moins 10 degrés là. Du coup il va falloir tout nettoyer par terre comme vous pouvez le voir. Jeter les plantes mortes. Ah il y a mon tapis, merde. Je pensais qu'il était propre mais en fait non. Il va falloir que je le lave donc je pourrais pas l'installer aujourd'hui. On ira peut-être à Truffaut un autre jour pour acheter des petits trucs et tout, je sais pas. Il y a basilic, origan, thym, on va essayer de mettre des petits trucs. Et il y aura une partie 2 du coup du balcon. Pour vous montrer un petit peu tout ça quoi, les plantations, les trucs un peu fleuris. Donc là il y aura du grand nettoyage comme vous pouvez le voir. Commencez par bouger la table et aussi ajouter cette bouteille de Mighty. Tellement de bordel. Voilà. On va bouger la table du coup parce que je vais devoir passer mon fauteuil, donc il faut que j'ouvre en grand tout ça. Parfait. Pas plus que ça du coup. En vrai il fait plutôt froid donc je pense que je vais me changer, je vais mettre un jogging parce que vraiment en short il fait trop froid. Je sais pas trop par où commencer aussi parce que c'est le bordel, donc peut-être retirer des petits trucs, genre retirer tout ce qu'il faut retirer, préparer ma bassine avec le savon et tout le bordel, ma petite brosse aussi pour frotter, ma balayette. Bah écoutez, let's go, c'est parti pour une vidéo très satisfaisante, enfin j'espère. Vous arrivez à voir là, mais Prince il est en train de rentrer dans le panier de Birdie. Il y est jamais allé depuis la mort de Birdie, ça va faire genre un an. Et là il y va, what the fuck. Du coup j'ai tout nettoyé ici, c'était vraiment un carnage parce qu'il y avait toutes les boules de graisse qui étaient restées collées, etc. Du coup j'ai tout nettoyé, j'ai nettoyé aussi la palissade, là j'ai pas encore nettoyé le bac, j'ai nettoyé les petites rambardes là. Ici aussi il faudrait que je repasse encore de l'eau claire pour enlever toutes les saletés. J'attends que ça sèche un peu pour pouvoir repasser la balayette parce qu'il y a encore des petites saletés. J'ai nettoyé le bac aussi. Je continue mais franchement déjà c'est un peu plus propre, on s'en sort déjà un peu mieux.
Bon, j'ai réinstallé ces petits trucs là. Je pense que je vais vous faire un petit TikTok là-dessus, sur ces petits bacs et tout, la façon de faire. J'ai enlevé toute la terre, donc je l'ai mise ici. J'ai galéré et je pense que le sac est extrêmement lourd. Donc j'ai juste laissé les billes d'argile. Non, Prince, va pas là sur le balcon. Oh non, c'est mouillé, Prince. Et je laisse un peu sécher pour ramasser. Je sais pas si vous l'avez vu avec sa patte. Bref, je laisse sécher pour pas que ça, pour ramasser plus tard. Et j'ai envie d'utiliser mes petites serres comme ça là, ces petits trucs là, parce que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup, et les installer. Je l'ai aussi en petite là-bas. Petite pause pizza chèvre miel qui vient de chez Lidl. Elle a l'air vraiment trop trop bonne. C'est quasiment sec, donc on va pouvoir reprendre le balcon. J'ai aussi mis à sécher les le tout là, le tapis, etc. Tout est parti, il y avait plein de petites peluches. Il va falloir que je gratte un peu avec le truc anti-peluche Royal Canin, qui est vraiment bien pour enlever les poils. Ça, là je suis en train de décéder avec Mère Nature, je n'en peux plus, j'arrive plus à m'accroupir. Con Hercule Poirot, bah voilà. Très bien, vraiment, c'est ce qu'il me fallait, Hercule Poirot. Il y a plein en soi de mon âge qui regardent, parce que c'est vraiment très très bien. Bon, je vais essayer de ranger tous les pots dans la caissette. Donc 3, 2, 1... Et voilà, trop bien. Donc comme j'ai enlevé deux serres, bah ça fait beaucoup plus de place dans le bac. Et donc je vais passer un grand coup de balayette. Et j'ai mis aussi le pot, enfin mon cache-pot pour la tomate là. C'est plutôt pas mal. Bon, c'est un peu petit, mais ça passe, je trouve, c'est assez joli. Donc c'est parti, je vais essayer de nettoyer. Je vais peut-être mettre la plante là-bas, je sais pas. Parce que de base, ça, c'est là-bas. Donc on continue de nettoyer et d'installer. Trop contente, il y a quelques petites traces encore qui sont pas parties, mais sinon franchement c'est clean, ça sent bon, donc je vais pouvoir installer après le tapis et bien sûr le fauteuil, ça va être trop trop cool. Donc là je vais réinstaller ça, et aussi surtout je vais faire des petites plantations. Je sais pas si c'est possible d'ailleurs de planter maintenant, on peut encore planter. Ah non, ça c'est les radis. Moi je vais faire du basilic et tout. Là c'est de la salade. Ça du coup, le basilic, bah non. Donc j'ai mis le terreau. Et du coup, ce que je peux planter, c'est ça. C'est les radis. Ça. Et des petits pois. Donc ça, je l'ai eu gratos, je crois. Ça, je l'avais acheté à Truffaut. De la mâche et des radis. On va essayer. Hein. Je viens de nettoyer les vitres. Enfin, elles sont propres parce qu'il y avait plein de traces de museau ici, notre Gollum international. J'ai tout installé, les graines, etc. Là, c'est la petite table où je vais pouvoir mettre mon verre et autres. Et j'ai mis aussi ça. Ça vient de chez Shein, c'est super bien. C'est pour arroser les plantes, en fait. Et c'est du goutte à goutte. Donc, c'est plutôt pas mal pour la tomate. Et donc, bah là, je vais installer le tapis, mais surtout le fauteuil. J'ai trop hâte. My God, ça change tellement. Oh mon dieu, ça fait tellement du bien de revoir son balcon. Je suis trop contente. Bien, voilà ce que ça donne finalement avec Oli, le petit Olivier. J'ai plus de voix, je suis désolée, je suis très fatiguée. Ça m'a épuisée de faire le balcon. La prochaine fois, on mettra des petites plantes ici, on ira à Truffaut bientôt. La mâche, le radis, l'haricot, je sais même pas si ça va vraiment fonctionner. Mais c'est juste pour faire style, au moins j'ai fait des petites plantations. Oli est juste là, mon petit arrosoir. Mais je pense mettre des petites fleurs, enfin des
fleurs, du coup, ouais, des plantes fleuries pour avoir un petit peu de couleur. Ensuite, là, c'est ma petite table avec mes, je sais pas si vous le voyez, avec mes bougies. Ça vient de chez La Farfouille, je crois, avec mes petites tomates. C'est super sympa, je suis trop contente. Et enfin, mon fauteuil, quoi. Enfin, vraiment, je suis trop contente. Prince va être super content aussi. Là, depuis tout à l'heure, il regarde ce que je fais. Enfin, voilà. Petit truc pour que les oiseaux puissent faire un nid, mais ça n'a jamais fonctionné. Et ça, là, c'est pour faire les graines. Alors, ils ont mangé au début. Après, ils ont foutu plus partout qu'autre chose. Enfin, voilà, j'ai mis ça comme ça, mais je suis trop contente. Vraiment trop contente du résultat. Donc, je vais vous montrer de nuit ce que ça donne avec les petites lampes. Les lampes viennent de chez Leroy Merlin, je crois. À chaque fois on me pose la question, ça vient de chez Leroy Merlin et ça donne vraiment une petite ambiance cosy cosy avec la petite bougie citronnée et tout, j'aime trop, c'est trop sympa. J'aime beaucoup, en plus bah, c'est que des lumières vers moi, donc il n'y a pas de... les voisins ne voient pas en fait, ça qui est cool, c'est que c'est que pour moi et j'aime trop, ça se fond parfaitement dans la palissade. Donc tout vient de chez Truffaut quasiment et c'est que de la récup, j'ai rien acheté, genre la palissade verte, je l'ai récupérée parce qu'elle était pétée à Truffaut, la palissade là aussi, je l'ai aussi récupérée, enfin voilà, j'ai plein de choses que j'ai récupérées ou qui viennent de chez La Farfouille. Mais bref, je pense que ça se voit, je suis vraiment fatiguée, genre mes règles m'achèvent énormément. Donc je vais arrêter la vidéo ici, j'espère sincèrement que bah, ce petit balcon makeover vous aura plu. Bah, n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est ElisaBRTOff, à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui seront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour un prochain daily vlog. Bye bye.